Banjo et Odé mardi à Abidjan, PH, Noël Akossi Banjo, issu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, opposition, et Ouattara Dramane Odé, du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir, ont pris l'engagement à œuvrer ensemble pour le renforcement de la cohésion et de la paix au sein de la commune du Plateau. L'ancien maire de la commune des Affaires et le candidat malheureux aux dernières législatives dans la commune se sont accordés le mardi 26 octobre 2021 pour prôner la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. J'ai pris plaisir à rencontrer mon aîné Noël Akossi Banjo, ancien maire du Plateau, auprès de qui j'ai passé 17 ans dans le conseil municipal de notre chère commune. Nous avons eu des échanges fructueux au travers desquels, nous nous sommes résolument engagés à œuvrer ensemble pour le renforcement de la cohésion et de la paix au sein de notre chère commune et bien au-delà, a indiqué le cadre du RHDP. Nous apprenons que, Ouattara Dramane a informé le nouveau conseiller spécial chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale du président du PDCIRDA, Henri Conan Bédier, de sa volonté de créer sa fondation pour la cohésion sociale, la démocratie et la solidarité. Akossi Banjo a pour sa part répondu favorablement à l'appel à la réconciliation de son invité et l'a exhorté à faire plus encore dans le sens de la cohésion dans la commune du Plateau, mais aussi à être un ambassadeur de paix auprès dans sa chapelle politique, a-t-on rapporté.